Bonjour, bienvenue dans les ateliers d'arrangement que je vous propose de découvrir au fur et à mesure des vidéos. L'arrangement est une chose singulière qui, comme la composition, engage véritablement la signature du musicien sur ce qu'il produit, ce qu'il imagine, ce qu'il donne à entendre. Petite différence entre l'arrangement et l'orchestration. L'arrangement est la réécriture, si vous voulez, la réorganisation dans l'espace-temps, l'espace, le temps, les timbres, les silences, etc. Et l'orchestration, c'est la distribution de ces éléments-là, potentiellement, à différents types d'instruments, qu'ils soient cuivrés, bois ou autres. Mais ici, on va essentiellement parler de l'arrangement pour piano. Arrangement de quoi ? De standards de jazz qui n'ont pas forcément une grande notoriété, hormis les spécialistes, dirais-je, mais qui recèlent d'innombrables richesses par leur position historique, déjà, de leur composition. À une époque où les standards avaient des formats de 8, 16, 32 mesures, des formats historiques, finalement, ces compositions, les compositions que vous allez découvrir, appartiennent à ce que j'appelle la nouvelle vague du jazz qui s'est opérée à partir des années 60 avec l'émergence du free jazz, mais pas que. Et on va partir de certains thèmes de Carl Abley. Alors, quand on dit thème, c'est quelque chose de singulier parce qu'ils sont plutôt des espaces, des moments qui permettent d'appréhender une humeur, une sensation, une vie, mais qui n'est pas une vie maîtrée avec des 4-4, des 2-4, etc. Ce sont juste des suggestions temporelles avec des fragments. Souvent, je me dis que les compositions de Carl Abley, qui fut d'ailleurs cofondatrice d'une guilde de musiciens nouvelle vague, free jazz, etc., à partir des années 1962 aux États-Unis, permet de faire que la rencontre entre différents types d'esthétiques, différents types de pensées, de pensées forcément nouvelles pour l'époque, puissent se rencontrer. Donc, peut-être plus de 2-4, de 4-4, etc., mais des espaces, des timbres, des fragments. On peut faire une analogie, par exemple, avec un peintre américain que vous connaissez, Jackson Pollock, qui, à terre, mettait ses toiles et avec un coup de pinceau, avec un geste, lançait une phrase, on pourrait dire. On retrouve ça dans le free jazz, des lancers de phrases avec un point, à un moment donné, donc entre point et ligne, ligne-point, on regarde Pollock avec, certes, de l'énergie, mais avec plutôt un temps qui est nécessaire à la construction mentale du regard par rapport à ces lignes, ces traits qui sont lancés. Alors, Carl Abley n'était pas quelqu'un qui était dans le lancement de phrases. C'était pas Ornette Coleman, c'était pas, etc. Elle venait d'une autre culture des États-Unis. Et elle interroge. En fait, ces compositions sont souvent plus des interrogations que des conclusions. Elle a plus posé des points d'interrogation que des points d'exclamation. Donc, à ce titre-là, l'arrangement que vous allez faire, du moins, je vais vous donner quelques clés que vous extrapolerez pour d'autres arrangements à partir de thèmes, c'est quels sont les,
on va dire, fragments intéressants, suffisamment intéressants pour vous, qui permettent de construire un discours, un nouveau discours, par rapport à un arrangement nouveau que vous avez été engagé. Le thème de Carla Bley, donc celui-ci s'appelle « And now the Queen », fait exactement une mesure et un petit bout. Il n'y a pas de métrique, il n'y a pas d'indication, il y a juste un point d'arrêt, deux points d'arrêt à un moment donné, mais c'est un espace. Intervention de la batterie. Le thème est très court, le thème est plus qu'épuré. À l'origine, ce thème-là est exécuté, interprété par un quartet. Donc, la richesse des apports des uns et des autres permet de compléter un petit peu, d'ornementer tout ce petit thème. Mais ce n'est pas petit, c'est ce thème puissant dans sa discrétion, dans sa faiblesse aussi, quelque part, n'entendez pas une faiblesse conceptuelle, c'est tout simplement une interrogation fragile qu'elle nous propose, Carla Bley. Et donc, à partir de là, que vais-je observer d'intéressant? Quelques éléments. On a qui interviennent au milieu et à la fin de la proposition thématique. Donc ça, c'est déjà quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, de belles sixtes majeures qui nous donnent l'occasion. Ben tiens, sixte majeure, ça me fait penser à All Blues de Miles Davis. Pas tout à fait la même chose, mais en tous les cas, le récit nous donne un petit peu une filiation, hasard, pas, bref, à cette pièce de Miles Davis nommée All Blues. Et donc, même si la première note, sol bémol, nous donne pas du tout ce que l'on pourrait appeler en musique classique une identité tonale, ça fait partie de la phrase, mais ce n'est pas forcément. Peut-être que si on relie le tout, donc, a priori, on pourrait être dans un sol bémol majeur septième, je dis bien a priori. Parce qu'après, sur cette couleur, et là, on a un fa septième peut-être, mais le fa septième ne comporte pas de tierce. C'est l'apport de la seconde note qui pourrait faire office de tierce, mais on dira plutôt un fa 7 ad 2, mais il faut enlever la tierce, elle n'existe pas dans la proposition thématique, donc omit 3, f7 ad 2, omit 3. Et là aussi, c'est suspendu, c'est presque, comme on dit, les cartes suspendues, mais là, c'est un accord qui n'a pas de résolution, mais qui en demande une quand même. C'est un contraste assez fort. Au même titre qu'après. Donc il y a cette relation sixte, il y a cette relation avec un accord qui n'a pas d'identité majeure ou mineure, qui laisse un peu les choses en suspens. Cette position de sol bémol. Donc là, on a vraiment quand même l'identité tonale de sol bémol. Il y a une chose aussi qui est intéressante. C'est presque comme une sonnerie. Pas une sonnerie de téléphone, bien évidemment, mais une sonnerie orchestrale. Très claire. Donc, on peut dire que, globalement, c'est sol bémol. Thank you.
And Now the Queen, tel est son titre. And Now the Queen, ça me fait penser à quelque chose de relativement british, dans la mesure où The Queen, alors The Queen, c'est la reine d'Angleterre, ou est-ce que c'est la reine Carla qui vient nous parler avec sa chevelure de lionne immense, etc. Je mettrai un petit point là-dessus, c'est peut-être sa grandeur et sa chevelure qui en fait d'elle une reine à venir. Et du coup, je me disais que pour une entrée, pour une introduction, ben, on pourrait peut-être travailler sur des résonances sur les cordes. Quelques petits tapotis. Avant d'attaquer réellement le matériau sonore. Pour l'introduction au piano, je me disais que ce serait bien justement d'avoir cette trace de sixte majeur. Exemple. Là, on a bien le... Je le refais... Donc, dans cette introduction, bien évidemment personnelle, je développe un travail sur les sixtes majeures que j'essaye d'étendre sur les majeures septièmes, comme dans le dernier caractère où on a cette petite tension qui apparaît. Mais on a des apparitions aussi de tierces majeures dans le second fragment de cette intro. Là, ça va sonner comme une espèce de rayonnement. On est un petit peu au début dans le son, on ne sait pas trop. Ça pose une question, mais ce n'est pas conclusif. Là, ça l'est davantage. Interrogation. Conclusion. Approximative. Et je finis sur un sol majeur, uniquement la fondamentale et la tierce. Ça suffit pour donner le caractère. Alors, normalement, on est en sol bémol, mais on n'est pas encore arrivé à la partie en sol bémol. Donc, je pense que la première partie, en ce qui me concerne, bien évidemment, la chose la plus remarquable, c'est le travail que l'on peut réaliser sur les sixtes, et sixtes majeures en particulier. Vous avez remarqué que le piano, dans les graves, creuse le spectre et introduit ce qu'on appelle en musique, en composition musicale, le mélange creux. J'ai l'activité dans le registre médium, et les basses, ce qui permet d'activer le rayonnement acoustique important du registre grave par le piano. On laisse sonner un petit peu, on laisse les choses se définir. On commence à rentrer dans le matériau, mais on est toujours dans ce travail sur les sixtes.
pourquoi ce petit mouvement? Alors, bien évidemment, ça n'engage que moi, mais je m'imagine le pas tranquille, non pas un pas énervé, le pas tranquille de ce que doit être peut-être une reine. Je suis toujours avec les sixtes à la main droite. Et la suite qui va arriver. Donc là, j'ai fait véritablement un travail d'exploitation sur ce phénomène de sixte. Tantôt sixte majeur, tantôt sixte mineur. Mais tantôt, sixte mineur, quinte, septième mineur, etc. Et la main gauche, c'est pareil, je lui additionne sixte majeur, sixte mineur. Donc, je travaille sur le matériau entre ces éléments-là, en agrémentant, bien évidemment, dans certains cas, majeur septième, il y a quelquefois l'envie de ne pas conclure, de ne pas être conclusif, un petit peu à la manière de Karl Abley. Quand je fais cette dernière partie d'introduction, ici, on retrouve la tierce du thème. Mais je le mélange avec le matériau majeur septième. Je le marie même avec un accord de quarte, mi la ré, et j'introduis cette tierce. On entend déjà la suite. Quelle est la suite? Je refais les notes. Et là, nous avons l'apparition du sol bémol que l'on va progressivement exploiter. Donc vous voyez que l'apport que l'on peut faire de différents types de musique, d'esthétique musicale à l'intérieur même d'une partition jazz, et c'est très riche. Culture classique, culture baroque, culture moderne, contemporaine, etc. On a vraiment un développement. Parti avec le sol bémol. Tiens, cet accord-là. Placement à la main gauche de l'accord non conclusif de la partition de Karl Abley. Et donc là, je mélange. Je m'en sers comme d'une percussion. Thank you.
Arrêtons-nous quelques instants là-dessus. Donc là, j'exploite quelques notes de la thématique un petit peu mélangée, mais vous l'avez reconnu. J'ai dégraissé l'accord. Je l'ai dégraissé, il ne reste que le si. Donc là, c'est jouer avec les matériaux sol, sol bécard, la percussion, quelques petits fragments qui peuvent rappeler. Donc là, un accord un petit peu en contexte plutôt sol majeur, mais qui viendra en contraste avec le mineur sur le sol bémol et le majeur sur le do majeur septième avec la onzième plus qui se balade. Petit geste appartenant à la musique contemporaine où on a un geste musical qui vient annoncer une autre note. Une petite suspension, comme on a vu. Pourquoi tout à coup cette solennité, ce presque This is the Queen. Bon, donc en fait, là, je fais un emprunt à la musique préclassique de compositeurs anglais où on retrouve vraiment un schéma harmonique. Qui va amener petite interrogation à nouveau et qui va être la porte d'entrée à l'improvisation même. Un tout petit peu, juste un petit fragment avec une sortie là on a un accord un peu particulier, accord de la bémol mineur avec la quinte augmentée, ce qui nous donne une petite suspension. Et là, on arrive véritablement dans l'espace d'improvisation que je ne maintiens pas en sol bémol, j'ai fait évoluer tranquillement du mi bémol, mi majeur septième, pas une conclusion majeure, une conclusion mineure, qui donne un caractère suspensif. Là, c'est plus caractérisé, et on arrive sur une petite formule avec des sixtes mineures cette fois-ci. Et là, ça peut tourner tranquillement. Mais comme dans toute, on va dire suivi d'un discours, ce sont les articulations qui sont le plus difficiles à trouver. Si on a une idée A, si on a une idée B, une idée C, comment va-t-on les relier? Comment je vais revenir à l'exposition du thème en lui-même? Je suis dans
un mode finalement très simple. La éolien, la tierce mineure, sixte mineure, septième. Donc là, on est vraiment très, très, très canalisé. Pour sortir, on va créer une petite tension supplémentaire. Donc on sort de... les notes supérieures de la main gauche. Ça gravit des marches progressivement. Et on revient après ces tensions d'accords. Il n'y en a pas beaucoup. On revient à cet accord générique qui est déjà apparu et qui permet d'être un support pour l'exploitation du thème. Réexploitation des sixtes, à la fois mineur et majeur. Exploitation des six et on finit sur sol bémol. Réexposition du thème complètement ouverte, toute douce. Petite conclusion assez solennelle. On peut en rester là. Je ne sais pas si ça vous fait penser à un thème connu, à une chanson connue, mais personnellement, en entendant... Rien qu'en entendant ça, ça me fait penser à autre chose, quelque chose que vous connaissez peut-être. On est toujours sur le ré... Il y a une petite vie en rose qui sommeille. Donc vous voyez, à partir d'un thème très fragmenté, très singulier, n'appartenant pas à un monde des standards, mais étant quand même devenu un standard qui a été joué abondamment par, bien évidemment, Paul Blais, qui fut le conjoint pendant un petit moment de Carla Blais. Mais ça a été joué aussi par des quintettes, des quartettes, avec différentes manières d'exprimer cette thématique. Mais là, nous avons un orchestre avec le piano, nous avons un orchestre entre les mains. Donc, on peut jouer de contraste, de silence, de nervosité, d'accords un peu tendus. En fait, l'arrangement, c'est un phénomène d'observation. Observer, analyser, prendre, extraire ce qui est caractéristique, bien évidemment ce qui vous appartient. C'est peut-être que ce que je vous propose, c'est bien évidemment mon langage. Mais ce sont des clés pour appréhender différemment les standards. Cette proposition que je viens de vous faire de réflexion plutôt sur un standard, vous pourrez retrouver le morceau intégral sur un disque en piano solo que je sortirai en 2024 sur le label Siar Records. C'est la fondation Albert Roussel dans le nord de la France. Et je reste à votre disposition pour partager vos avis sur
les clés que nous nous donnons mutuellement. Et je souhaite que vous aborderez les standards de manière un petit peu différente. Dans d'autres vidéos, j'explique d'autres vues, d'autres activités, d'autres relations, d'autres conditions, principes et méthodes sur comment appréhender des thèmes qui ne sont pas des thèmes standards, 8, 16, 32 mesures, mais plutôt des espaces graphiques, sonores, etc. À bientôt. Au revoir.